Grand est notre plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. En marge de la conférence des Nations Unies sur le climat, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, a pris part aux discussions sur les infrastructures et le climat à Glasgow, en Écosse. Il a relevé à l'intention de ses pairs chefs d'État présents à la COP26 la problématique du développement des infrastructures sur les continents africains qui aspirent à un monde meilleur et durable. Reportage Pierre Kibambe-Somoïssa. COP26, les travaux se poursuivent sans désemparer à Glasgow, en Écosse, avec la brillante participation des chefs d'État et des gouvernements à cette grande conférence des Nations Unies sur le climat. Lors des discussions sur les infrastructures et le climat, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président d'exercice de l'Union africaine, est intervenu aux côtés de son homologue des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, et du Premier ministre britannique Boris Johnson pour relever l'importante problématique du développement des infrastructures sur le continent africain avec la volonté de reconstruire un monde meilleur et plus durable. Le président de la République en a appelé à de nouveaux choix, mieux, de nouvelles stratégies innovantes face à la situation financière alarmante des États africains qui ont du mal à atteindre le seuil du développement en infrastructure. C'est dans cette optique que le chef de l'État a notamment indiqué que la RDC s'est investie dans une approche particulière en combinant le développement de ses ressources minières avec celui des infrastructures essentielles. Et le président Félix Antoine Tshisekedi de renchérir, l'Afrique et la RDC sont prêtes à engager des discussions immédiates sur un portefeuille de projets d'investissement concrets et catalytiques transcendant tous les obstacles possibles et imaginables jusqu'à leur réalisation. Et au cours d'un sommet sur l'accélération de l'adaptation en Afrique, en marge de travaux de la conférence des Nations Unies sur le développement, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a fait le plaidoyer pour l'augmentation du flux financier destiné à l'Afrique qui se trouve sur la ligne de front du changement climatique. Reportage commenté par Pierre Kibambe-Somoïssa. Organisé en marge de la COP26 à Glasgow, en Écosse, le sommet sur l'accélération de l'adaptation en Afrique s'est érigé en une tribune dont l'objectif était de renforcer la résilience africaine face au changement climatique. Intervenant en sa qualité de président d'exercice de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a souligné l'insuffisance du flux financier actuel en direction de l'Afrique pour l'adaptation qui est inadéquat avec les besoins et les urgences. Pour être emporté, la lutte contre le changement climatique ne peut être gagnée qu'en Afrique. Un message que le chef de l'État a lancé à ses pairs en les appelant à la mobilisation des ressources en vue de soutenir les États africains se trouvant sur la ligne de front du changement climatique. Ce sommet a été organisé par la Banque africaine de développement et le Centre mondial pour l'adaptation. Un autre temps fort de la poursuite de travaux de la COP26 a été la signature par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le Premier ministre du Royaume-Uni Boris Johnson d'un engagement d'une durée de 10 ans pour la protection de la forêt de la RDC. Et cela au nom du conseil d'administration de l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale. Revenons en RDC, plus précisément au sud Kivu, qui a été attaqué hier mercredi par des assaillants. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité s'est tenue à la primature et présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde avec tous les ministres sectoriels. Mais en attendant, la situation est revenue au calme. Patit Ondoagou. La vague de violence qui a plongé la ville de Bukavu dans l'insécurité totale dans la nuit de mardi 2 novembre à mercredi 3 n'a pas laissé indifférent le Premier ministre Jean-Michel Sama de Konde Kienge qui a présidé en urgence une réunion du Conseil de sécurité ce mercredi 3 novembre 2021 à la primature. Depuis ce matin, dans la ville de Bukavu, il y avait des agitations parce que la ville a été attaqué par quelques assaillants. Et Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a bien voulu que nous, les deux ministres devant vous,
et l'ensemble de nos services, nous puissions nous retrouver pour examiner la question par rapport aux éléments que nous aurions tous obtenus de nos différents services œuvrant dans la province du Sud Kivu et plus particulièrement dans la ville de Bukavu. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés et nous venons de faire l'analyse de la question. Tout ce que l'opinion peut retenir, c'est que la situation s'est calmée, sous contrôle de nos forces armées et de la police nationale congolaise. Et nous invitons nos services à davantage veiller sur cette question de manière à maintenir la paix et l'ordre dans la ville de Bukavu et dans le reste de la province. À la dernière nouvelle, la ville de Bukavu a retrouvé son calme. La population commence à vaquer à ses occupations. Et sur place au sud de Kivu, une réunion du Conseil provincial de sécurité s'est tenue. Les enquêtes se poursuivent, mais 6 assaillants ont été tués, 36 capturés et plusieurs blessés. Ils ont été présentés à la presse par le gouverneur du sud Kivu, Théo Ngwabidje. Reportage. Devant la presse nationale et internationale, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, a fait le bilan de l'attaque de la ville de Bukavu par des assaillants non autrement identifiés. Dans ces affrontements, on a tué 6 assaillants, 4 blessés, 36 assaillants capturés qui sont devant vous. On a récupéré 14 armes de guerre et malheureusement, de notre côté, nous avons perdu 3 hommes. La situation aujourd'hui de la ville de Bukavu est sous contrôle. À l'occasion, le chef de l'exécutif provincial a annoncé une panoplie de mesures pour protéger la ville de Bukavu et demander à la population de collaborer avec les services de sécurité pour que l'ennemi soit traqué jusque dans ses derniers retranchements. Les mesures ont été prises pour traquer les assaillants dans leurs retranchements. Les enquêtes se poursuivent pour identifier les auteurs matériels et intellectuels de cette situation, afin de dégager les responsabilités pour en répondre devant la justice. Le président de la République, chef de l'État, suit cette situation de près et l'ensemble du gouvernement national. Bukavu n'est pas tombé et les activités ont repris. Le gouverneur de province, Théo Ngwabidje Kassi, accompagné de membres du Conseil provincial de sécurité, a fait la ronde de la ville dans les 3 communes où il a communié avec ses administrés. Il les a appelés à vaquer librement à leurs occupations car les forces armées de la RDC et la police nationale congolaise veillent nuit et jour. À Bagira, Kadutu, Panzi et Nyawera, la population a ovationné le gouverneur de province en itinérance dans la ville de Bukavu. Et pendant ce temps, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, vient de promulguer la loi sur la prorogation de l'état de siège en Ituri et dans le Nord Kivu, ce après que le Sénat ait adopté pour la 11e fois la loi sur la prorogation de l'état de siège. Edith Chala. Le Sénat vient d'adopter en seconde lecture la loi portant prorogation de l'état de siège dans une partie du territoire national. C'est pour la 11e fois que cette mesure de la situation exceptionnelle dans la province de l'Ituri et la province du Nord Kivu a été reconduite. Le gouvernement, par le biais de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, qui accompagnait ses collègues des relations avec le Parlement et de la recherche scientifique, a présenté cette loi aux sénateurs. Dans son intervention, Rose Mutombo Kiese a fait part aux élus des élus de la réalisation des forces armées de la RDC engagées au front pour restaurer la paix dans ce coin du pays. Le vote de cette loi a été fait conformément à l'article 113 du règlement intérieur du Sénat. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 89 membres ont pris part au vote. De ces 89 membres, 84 membres ont voté oui. 4 membres ont voté non et 1 membre a voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de prorogation de l'état de siège proclamé sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera transmis au président de la République pour promulgation. Mes sincères félicitations. Au cours de cette plénière, présidée par Modeste Bahati-Lukwebo, le bureau a communiqué aux sénateurs les 3 propositions de loi ainsi que 3 projets de loi qui seront traités pendant la session en cours.
dans le cadre du contrôle parlementaire, 12 questions orales et une interpellation des ministres et gestionnaires ont été déposées au bureau de la Chambre haute du Parlement. Elles seront programmées dans les jours à venir pour être débattues en plénière. Et parlons justement des résultats de l'état de siège en Ituri, plus précisément à Niakoundé, où la population regagne déjà leur domicile après plusieurs mois passés dans la brousse suite aux affrontements armés. Les FARDC contrôlent la zone et les activités ont repris normalement. Reportage. Koundé et Marabou, en territoire d'Irumu, respirent désormais les bons vents de la paix. La paix consolidée par les FARDC après les opérations contre les miliciens FPIC. Des habitants ont déjà regagné leurs maisons respectives et vaquent librement à leurs activités. Madame Angèle s'est dit heureuse de retrouver sa maison après plusieurs mois en déplacement dans la brousse où elle vivait sans nourriture ni médicaments. Spanda s'est retournée, plaide pour une assistance en vivre et non vivre. Niakoundé et Marabou, hier vidés de leurs habitants, mais aujourd'hui, suite à la paix restaurée, accueillent des déplacés venus de la région de Koumanda. Quel paradoxe, les activités scolaires ont repris et l'hôpital général de Niakoundé fonctionne normalement, témoigne Dr Charles, responsable de cette structure sanitaire. La vie est bonne, s'il faut comparer il y a 5 mois, nous voyons vraiment il y a une nette amélioration. Pour les dons que nous avons reçus par l'entremise de son excellence l'autorité, c'était juste pendant les temps difficiles, ça nous a beaucoup aidé pour certains besoins d'urgence, entre autres la nourriture, quelques kits d'urgence de médicaments, ça nous a vraiment beaucoup aidé pendant ces temps-là. Cet hôpital a reçu IAP, un appui financier de l'administration militaire pour relancer les activités. Le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, accompagné des femmes leaders venues de Kinshasa et celles de l'Ituri, s'est rendu dans la région pour s'imprégner de la situation. L'aérodrome de MAF pourra également reprendre ses activités dissipées, a dit un responsable. Autre chose à présent, à la chambre basse du Parlement, le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements sollicite au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, que la proposition de loi sur l'aviation civile qui subit déjà quelques amendements au niveau de la commission infrastructure puisse être votée. Autre précision avec Sylvie Moembo et Bernard Baudin. La République démocratique du Congo connaît un grand retard dans le secteur de l'aviation. Elle ne dispose d'aucune loi pouvant lui permettre d'être au même diapason que les autres pays. C'est pourquoi le ministre des Transports et Voies de Communication, Chérubin Okende, sollicite auprès du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mboso-Kodiapwanga, le vote de la proposition de loi sur l'aviation civile à l'Assemblée plénière. Je suis venu me ressourcer auprès du président et lui demander l'opportunité que le moment venu, dans les semaines qui suivent, que je puisse en échanger avec les honorables députés, quitte à profiter maintenant des inputs qu'ils pourront amener, des amendements ou des rectifications, des enrichissements qu'ils pourront amener, au moins au niveau de ma responsabilité, j'aurai l'assurance qu'en appliquant ce plan stratégique, je suis en communion parfaite avec le Congo profond que représentent les honorables députés. Arrivé fait mandat en République démocratique du Congo, l'ambassadeur de la République du Congo en poste à Kinshasa, Clément Yamdoma, a fait ses adieux au président de l'Assemblée nationale. Le chef de la mission diplomatique congolaise quitte Kinshasa avec plusieurs lumières sur les relations bilatérales en Kinshasa et Brazzaville. J'ai été très édifié par cet entretien que j'ai eu avec l'honorable président. Je suis heureux et fier d'avoir pu servir la cause des deux peuples dans ce pays pendant ma mission. Et Brazzaville et Kinshasa sont les deux capitales les plus rapprochées du monde. Donc vous comprendrez que cela témoigne justement de l'excellence de toutes les relations multiformes que nous avons, aussi bien sur le plan multiforme, les relations de fraternité, d'amitié, de solidarité et de coopération.
De son si long séjour diplomatique en République démocratique du Congo, l'ambassadeur de la République du Congo et doyen des ambassadeurs en poste à Kinshasa a beaucoup privilégié l'attachement des frères, fils et amis de la RDC. Clôture hier à Bibois dans la commune de Lantélé des travaux de la commission paritaire mixte gouvernement et banque syndicale de l'administration publique. Les deux parties ont convenu dès l'année prochaine l'augmentation de salaire à hauteur de 45%. Ces assises ont été présidées par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao. Reportage Nadine Kilocho, Mokemal. Après une semaine de négociations et d'échanges à Bibois dans la commune de Lantélé, la commission paritaire gouvernement banque syndicale de l'administration publique sont parvenus à un accord. Sous la présidence du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, les deux parties ont signé un nouveau protocole d'accord. L'intersyndicale nationale de l'administration publique et le gouvernement, représentés par une brochette des ministres sectoriels, ont convenu au terme de cet accord une augmentation de salaire de 45% dès le deuxième trimestre de l'année 2022. Pour le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, cette mesure de haute portée sociale traduit la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers le slogan « Le peuple d'abord ». Ce qui vient de se passer ce soir, c'est la traduction, la matérialisation de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place au cœur de ses préoccupations l'homme congolais, de surcroît les fonctionnaires congolais. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce soir, c'est le fruit d'un pragmatisme partagé, de manière tout à fait responsable, d'un souci que nous portons tous, à voir le fonctionnaire congolais reconquérir sa dignité perdue. Au sujet de la prime de plus de 3 millions de francs congolais que touchent certains fonctionnaires, un rabattement fiscal de 15 à 3% sera appliqué. Conclusion à laquelle ont abouti le bon syndical et le gouvernement de la République. Nous pensons que nous avons obtenu quelque chose pour les agents. Ce n'est pas la fin, mais nous allons continuer grâce au dialogue, grâce au partenariat sincère que nous venons de sceller avec le gouvernement. Bruxelles et Kinshasa semblent avoir considérablement réchauffé leurs relations. En séjour à Kinshasa, la délégation belge conduite par André Flau, ministre d'État belge, a rencontré hier le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo. Ensemble, ils ont parlé de l'organisation de la police nationale congolaise, celle de la territoriale et autres. Reportage José Baïtombo. Cinq secteurs cristallisent la coopération RDC-Belgique, parmi eux, celui de la sécurité, avec notamment la réforme de la police pour le maintien de l'ordre public. André Flau, ministre d'État belge, conduit une forte délégation à Kinshasa, avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières. Ils ont fait un tour d'horizon sur les opportunités de renforcer la coopération, selon la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de relations qui méritent d'être consolidées entre l'ancienne métropole et Kinshasa, pour assurer un avenir radieux pour les deux peuples. Auprès de Daniel Asselo Kitoakoy, André Flau a trouvé un partenaire qui a une idée claire sur les interventions dont a besoin la police nationale congolaise. C'est un entretien qui a été positif. On a posé toute une série de questions. On a obtenu les réponses en questions que nous posions sur l'organisation de la police, la formation, les instructeurs, la logistique, mais aussi tout ce qui concerne l'organisation territoriale. Parfois, on s'inspire de ce qui se fait en Belgique et la volonté ici, c'est effectivement de s'inspirer de ce qui se fait bien et de laisser toutes les erreurs que nous avons commises tout chez nous. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Daniel Asselo Kitoakoy, a rassuré son hôte de l'accompagnement sans faille du gouvernement de la République.
Une rencontre sur la lutte contre le VIH-Sida se tient à Dakar, au Sénégal. La vice-ministre de la Santé publique y a pris part pour le compte de la RDC. D'autres précisions avec Eddy Tchala. Une rencontre régionale sur le VIH-Sida se tient à Dakar, au Sénégal. La République démocratique du Congo est représentée par la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Lumbankoulou. Ces assises visent le renforcement de la riposte en Afrique de l'Ouest, du Centre, qui représente 8% de la population mondiale et abrite plus de 12% de personnes vivant avec le VIH dans le monde. Dans son intervention au cours de cette rencontre, Véronique Kilumbankoulou a partagé l'expérience de la République démocratique du Congo dans la survenance des différentes épidémies auxquelles elle a été confrontée. En dépit de ces défis, il y a lieu de rêver que le renforcement des capacités des professionnels de santé pour la prise en charge des autres épidémies et à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, la formation et la mobilisation des acteurs communautaires, la réorganisation des cadres de concertation avec nos partenaires de développement, impliquant les autorités politiques administratives et la mobilisation des ressources apporte un soutien important dans le renforcement du système de santé dans une perspective de développer sa résilience face aux urgences sanitaires et diverses catastrophes. Cette occasion sous-régionale a permis à la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention de présenter les quelques défis auxquels la République démocratique du Congo fait face, comme l'inégalité basée sur le genre, la discrimination, la stigmatisation à l'égard des personnes infectées et affectées par le VIH et l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. La deuxième session de la Grande Commission mixte RDC-Tunisie se tiendra du 6 au 8 décembre 2021 à Kinshasa. Le ministre de l'Intégration régionale, Didier Manzenga, a présidé à ce sujet une réunion préparatoire se penchant sur le cadre juridique et les questions liées à la logistique. Vital Pagabita. La RDC est toujours déterminée à relancer sa coopération sur le plan régional. La deuxième session ordinaire de la Grande Commission mixte RDC-Tunisie, prévue du 6 au 8 décembre 2021 à Kinshasa, 32 ans après celle tenue à Tunis en 1989, s'inscrit dans cette optique. Le ministre de l'Intégration régionale Didier Mazenga Moukanzou, l'ambassadeur de Tunisie Bouzekri Ermili et quelques experts ont passé en revue les cadres juridiques et les questions spécifiques liées à la logistique. Des accords de coopération seront signés dans plusieurs domaines, notamment l'énergie avec l'exploitation du gaz méthane sur le lac Kivu, a indiqué les diplomates tunisiens. Nous avons pas mal de projets d'accord à signer. Nous avons directement au moins 6 accords qui sont directement prêts pour la signature. Et puis il y a 3 autres accords qui sont susceptibles d'être signés. Nous avons de très bonnes relations dans tous les domaines, y compris l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, y compris le tourisme, l'industrie, l'énergie pour transformation. Nous avons déjà un grand projet donc, qui sera mis en œuvre dans les plus brefs délais, c'est l'extraction du gaz méthane du lac Kivu. Le ministre Didier Mazenga Moukanzou a promis de faire le plaidoyer auprès du chef du gouvernement pour la réussite des travaux à l'instar de la Grande Commission mixte RDC-Burundi et Grande Commission mixte RDC-Angola tenue dernièrement à Kinshasa. La RDC va abriter du 24 au 25 novembre prochain les assises d'IRC Africa Business Forum sous le thème « Développer une chaîne de valeur régionale autour de l'industrie des batteries électriques, du marché des véhicules électriques et des énergies propres », annonce faite par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaunga. Reportage Mami Kadima. Ces assises vont s'épancher sur la transformation des ressources matérielles africaines en valeur économique. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaunga, qui tient à la réussite de cet événement majeur, a expliqué à la presse les dividendes que peuvent tirer les pays africains en améliorant leur participation dans la chaîne des valeurs des batteries et voitures électriques en énergie propre. Ceci devait impacter la qualité de vie des Africains. Lorsque le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo accède à la tête de l'Union africaine, il se rend compte que l'Afrique doit reprendre son leadership. Ce forum est assis sur une étude que la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, en collaboration avec la République démocratique du Congo, a menée
Et on a recruté un consultant, que vous connaissez bien, Bloomberg, qui va rendre ses résultats au cours du forum, qui nous permet effectivement d'affirmer que le potentiel du marché des voitures et batteries électriques est autour de 8 000 milliards. Nous, la RDC, si dans les 5-10 ans, nous avons un marché de 8 000 milliards à travers le monde, qui part des composantes produites à la République démocratique du Congo, qu'est-ce que nous allons gagner dans ces 8 000 milliards? Voilà l'objectif du DRC Africa Business Forum. Pour que tous les partenaires arrivent et qu'ensemble, nous puissions faire un réseautage qui nous permette de tirer profit, effectivement, de cette manne. Trophée Marthe Kassalou, c'est cet événement qui couronne les femmes qui ont accompagné leurs époux dans différentes luttes. L'événement va se tenir en mars 2022 avec cette fois-ci une portée internationale, annonce faite hier par le comité organisateur. Eric Kabamba. Le prochain lauréat du trophée Marthe Tshisekedi Kassalou, deuxième édition, seront connus le 31 mars 2022. Annonce faite par le membre du comité organisateur de ces grands événements qui couronnent les grandes dames qui ont accompagné leurs époux dans les combats et la lutte pour la réhabilitation de la dignité de la personne humaine en République démocratique du Congo. Contrairement à la première édition où l'on a couronné 5 femmes, la deuxième édition aura une portée internationale et va primer 6 grandes dames du continent qui auront marqué par leur présence aux côtés des hommes qui auront accompli des grandes œuvres dans les secteurs de la culture, la science et la politique. Objectif, pérenniser les noms de la veuve Étienne Tshisekedi au niveau national et international, a fait entendre Godé Kayembe, coordonnateur de la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élève Lisadel. Être épouse d'un homme dont les actions sociopolitiques non violentes et la constance auront permis l'avènement d'un état des droits, d'une bonne gouvernance démocratique. Être épouse d'un homme de culture ou de science et a accompli une mission positive pour l'évolution de l'humanité. Ce sont là les quelques critères pour être primé, a détaillé la représentante du représentant de l'UNESCO en RDC, Kikina Mungulu Diaka. Hormis son côté des reconnaissances, il faut noter que ces trophées viennent inciter le jeune dame à travailler pour devenir des modèles au sein de la société. La journée internationale de l'épargne est célébrée le 3 novembre de chaque année. La ministre de Genre, Famille et Enfants a présidé la cérémonie organisée à la Foire internationale de Kinshasa. C'était l'occasion pour la ministre de plaider pour l'autofinancement des femmes et les encourager à l'épargne. Rodé Panda pour le reportage. La question de l'autonomisation de la femme, telle que repris au pilier 14 du programme du gouvernement, préoccupe au plus haut point les ministères du genre, famille et enfants. Sous l'impulsion de Gisèle Ndaye-Louseba, plus de 2000 femmes issues des différentes organisations membres du Fonds national pour la promotion de la femme et de l'enfant ont été formées sur la culture de l'épargne. À l'occasion de la Journée mondiale de l'épargne, célébrée le 31 octobre de chaque année, la patronne du genre a lancé la campagne de l'ouverture des comptes bancaires pour les femmes et les enfants écoliers lors d'une cérémonie organisée à la Foire internationale de Kinshasa-Fikine, ce mercredi 3 novembre 2021. Cette campagne durera 2 mois, soit du 31 octobre au 31 décembre de cette année. Les banques ont moins confiance aux femmes, a dit Marie-Claude Casal, directrice du Fonafen, mais pour Gisèle Ndaye-Louseba, il est temps de changer la donne. Vous savez vous-même, partout ailleurs, les femmes sont marginalisées, elles ne savent pas quand même se développer. Et pour moi, c'est une occasion pour faire un plaidoyer auprès des banques pour qu'elles accompagnent gratuitement les femmes sans condition à ce qu'elles puissent ouvrir leurs comptes et qu'elles puissent épargner aussi. Parce que quand on parle du développement, on voit la femme. Tout ne s'arrêtera pas qu'au niveau de l'ouverture des comptes épargne, ces femmes seront accompagnées par les gouvernements, rassure Gisèle Ndaye-Louseba. Le plaidoyer que je vais continuer à faire au niveau du gouvernement et pourquoi pas au niveau de la présidence, auprès du chef de l'État pour l'accompagnement des femmes. On a toujours dit, il y a toujours eu un début à tout, et aujourd'hui c'est le début. Et j'encourage la directrice générale, avec tous ceux-là qui travaillent avec elle, moi je pense qu'on ne va pas s'arrêter juste à ouvrir les comptes et aussi à mettre quelque chose dans ces comptes et aussi... Saluons l'initiative. Agnès Ngalula Mukuna, représentante des bénéficiaires, a rassuré que cette action sera pérennisée grâce aux efforts de chacune d'entre elles après cette prise de conscience.
Norbert Basengezi Katitima, notable du Sud Kivu, séjourne dans sa province. Sur place, il a échangé avec la jeunesse sur l'entrepreneuriat et la création de l'emploi. Lopez Kakuba. Dans ses face-à-face avec les jeunes de Kaziba, Luinja et Buruni, plusieurs points ont été évoqués, parmi lesquels la prise de conscience. L'honorable Norbert Basengezi Katintima, notable du Sud Kivu, a invité les jeunes à la réalisation des projets de développement. Vous êtes une force et vous vous ignorez. Donc la réunion, c'est pour faire renaître l'intelligence qui est en vous. Mais il faut qu'il y ait cette charge-là et connaître les gens. Parce que quand vous ne dites rien, vous commencez à vous plaindre pour vous plaindre. À ce moment-là, cette plainte ne fera pas plaisir. Prêchant par l'exemple, Norbert Basengezi Katintima a posé plusieurs actions de développement en faveur de jeunes dans les territoires des Walou en particulier et dans le Sud Kivu en général. Nous avons vu qu'il est, c'est un homme d'action. Alors, ce qu'il parle, lui le fait. Et d'ailleurs, il y a un adage qui dit que vous devez croire à mes paroles. Si du moins vous ne croyez pas à mes œuvres, mais lui, quand il parle, il réagit en même temps. La rencontre d'aujourd'hui m'a relevé beaucoup de choses. Parce que moi aussi, j'avais même tant de questions que je me posais moi-même, personnellement, oui. Mais quand l'honorable a répondu aux questions qui ont été posées, moi aussi, je me suis retrouvé que ma question a été répondue également. Et une page noire avant de terminer ce journal, la RTNC, plus précisément la direction des infos TV, annonce avec regret le décès à Kinshasa du sous-directeur d'ESCO, Jules Lombokashita, affectueusement appelé Tonton Jules. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Voilà, c'est par cette triste nouvelle que nous terminons ce journal réalisé par Mamita Bangoulou et Discover Pongo. La partie technique était assurée par Jerry Mawassa et Émile Zola. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojo Ndibou. Très bonne suite de programme sur la RTNC.